Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs personnes qui sont avec nous, des participants et des participantes. On va venir vous voir dans quelques instants. Mais pour l'instant, je me présente. Je m'appelle Benjamin Désiel. Je serai votre animateur pour cette séance de quiz aujourd'hui. Regardez, une petite mini-présentation. Je suis comédien dans la vie. J'ai fait une école de théâtre, imaginez donc. Je suis donc aux antipodes de nos participants qui étudient, eux, en médecine, imaginez donc. Mais peut-être qu'un jour, je pourrai incarner un médecin ou un urgentologue ou un chercheur ou même un généticien, qui sait, un jour. Alors, je pense que je partage un tant soit peu votre amour du soin des gens. Nous, c'est pour la tête et les émotions, et vous, c'est pour tout l'ensemble de l'enveloppe corporelle. Alors, écoutez, Génie en rare va regrouper 8 équipes aujourd'hui qui proviennent d'associations étudiantes en médecine pour tester vos connaissances sur les maladies rares. C'est le premier tournoi, imaginez donc, le premier tournoi de Génie en rare du RQMO, qui est le regroupement québécois des maladies orphelines. Et comme vous le verrez, chers amis, les questions vont être très pointues. Et comme je ne suis pas médecin, je le disais, et encore moins généticien, je vous présente donc Gaëlle Ouellette. Gaëlle Ouellette, elle est présidente et fondatrice du RQMO et elle est directrice scientifique et elle sera juge pour cette rencontre. Gaëlle, avant de te donner la parole, je vais faire un mini topo sur qui tu es, un mini CV, tu vas voir, ça va se faire rapidement. Gaëlle a vraiment fait beaucoup de choses dans sa vie. Alors, Gaëlle, elle est généticienne, conseillère en génétique. Tu as un doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Montréal. Tu as été chercheur postdoctoral au Centre de génétique humaine à Leuven en Belgique et tu as fait de la recherche en génétique humaine chez Algène Biotechnologie et Signalgène. Tu as même fait une maîtrise en conseil génétique à l'Université McGill et tu as travaillé comme conseillère en génétique au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Comme diplômée de la Faculté des sciences de l'UQAM, tu as été lauréate du prix Reconnaissance UQAM en 2015 pour ton travail dans le domaine des maladies rares. Alors, Gaëlle, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, merci. Qu'est-ce que Merci. c'est? Oui. Non, je l'ai dit, qu'est-ce que c'est le RQMO? Bon, le RQMO, Regroupement québécois des maladies orphelines. Regroupement le dit, on regroupe près de 30 associations de maladies rares au Québec, puis même des Canadiennes pour leur chapitre québécois. Et on a évidemment beaucoup de membres individuels parce qu'il y a plus de personnes avec maladies rares qui n'ont pas d'association. Notre mission, c'est surtout une mission d'information et de soutien aux personnes qui ont des maladies rares, leurs proches aidants, puis même aux professionnels de la santé. Donc, on a un centre d'information et de soutien qui s'appelle le Centre IRAR. N'importe qui peut appeler, écrire pour une information sur n'importe quelle des milliers de maladies rares, parce qu'il y en a apparemment entre 7 et 8 000. Et nous, évidemment, notre mission est aussi de sensibiliser la population, le milieu médical par rapport aux maladies rares et orphelines, comme on le fait chaque année comme ça, durant le mois de février et à d'autres moments. On diffuse beaucoup d'informations sur la recherche, les médicaments, les enjeux qu'il y a par rapport aux maladies rares dans notre système de santé ou pour la recherche, et on fait la promotion de la recherche et on met en contact des chercheurs et des personnes à qui ont des maladies rares pour faire avancer les connaissances. Voilà, quand même. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter encore, dit Gail? C'est Ça va, ça fait le essentiellement ça qu'on tour. fait. Cette mission est essentiellement essentielle. Alors, vraiment, chapeau au RQMO. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment chouette. Merci infiniment de nous inviter aujourd'hui à participer en plus à votre compétition. La compétition de Génie en rare, ça va être 4 compétitions ce matin. 2 équipes, 2 équipes, 2 équipes, 2 équipes. Ensuite, cet après-midi, il va en rester 4 équipes pour faire 2 demi-finales et il y aura une finale cet après-midi pour potentiellement couronner une association gagnante et qui se méritera 2 000 $, une bourse de 2 000 $ qui est remise par le RQMO. Alors aujourd'hui, ce matin, on joue avec les rarissimes de l'AGEMUS. L'AGEMUS, c'est l'Association générale étudiante de médecine de l'Université de Sherbrooke. Ils sont à ma gauche. Je pense que je dois faire ça avec ma droite plutôt pour vous pointer à gauche parce que c'est l'effet miroir. Alors, vous êtes à ma gauche et c'est Yann Lamontagne qui est chef d'équipe. Comment ça va? Hey Yann! Oh, très bien, je pense Yann. que je peux parler pour toute l'équipe également. On est assez fébrile pour le tournoi, puis on a vraiment hâte de commencer. Ah, yes! Avec la fébrilité, ouais.
Vous allez voir, on a toujours comme 15 secondes pour réussir à trouver des bonnes réponses. Alors, j'espère que vous êtes réveillés. Vous êtes notre première équipe. En plus, il est 9h du matin, mais ça va. Je pense que c'est pas trop tôt. Il n'y a personne ici qui a des enfants. Non, tout le monde fait non. C'est correct. C'est bon. OK. Parce que sinon, je serais élevé depuis quand même encore plus tôt que ça. Ah, donc, votre nom d'équipe, ce sera les 4 mousquetaires. Est-ce que je me trompe? Voilà, parfait. Alors, quand je vais référer aux 4 mousquetaires, ça va être à vous. On joue également avec les sarcoïdoses du Rémul. Le Rémul, c'est le regroupement des étudiants en médecine de l'Université Laval. Et c'est Jonathan Charon qui est le chef d'équipe. Jonathan, comment ça va? Oh, je ne t'entends pas, Jonathan, par contre. Oh, m'excuse. Je n'entends pas, Jonathan. Ben, regardez. Jonathan, je vois ton visage que tu as la confiance. On va tester ton micro dans quelques instants parce que c'est sûr que si tu ne joues pas de mic, ça va être bizarre. Je t'entends très bien. Parfait. Salut, Jonathan. Ça va bien, toi? Très bien. Est-ce que tu es confiant pour cette joute? Oui, on est tous confiants. Hein. Vous avez étudié, vous avez fait des devoirs? Il me fait oui. J'adore ça. Parfait. Alors, les sarcoïdoses et les 4 mousquetaires, c'est parti. Premier jeu. J'interromps parce que je veux juste 30 secondes dire comment et pourquoi ces questions-là ont été faites, parce que je trouve que c'est important pour notre auditoire et pour aussi pour les personnes qui les ont étudiées. Le but de tout notre mois de Zébrier cette année sous le thème de l'errance diagnostique n'est pas de faire apprendre 7000, 8000 maladies rares aux étudiants de médecine ou quelques médecins que ce soit. Hein? Je pense que ça, c'est un peu impossible. Et il y en a là-dedans que vous ne verrez évidemment jamais de votre carrière. Mais l'objectif, c'est vraiment que vous soyez un peu plus sensibilisés à ce monde-là des maladies rares et beaucoup de questions. Il y a des questions sur des maladies précises que j'ai insérées parce que, bon, puis des fois, ça a des caractéristiques particulières qui peuvent vous faire que vous allez vous en rappeler peut-être le restant de votre carrière. Mais beaucoup de questions proviennent en fait de l'expérience qu'on a avec les patients qui ont une maladie rare. Des milliers de patients ont appelé notre centre IRAR, leur expérience dans le réseau de la santé, comment approcher, comment l'approche diagnostique, des outils, des ressources pour vous. Il y a des questions sur des ressources. Fait que le but, c'était plus ça qu'une chance, je pense, que vous n'avez pas eu 150 questions sur des maladies rares précises que vous ne verrez peut-être jamais de votre carrière. Fait que, et on vous sondera après ce concours pour savoir si ça... pour voir comment... si ça répondait bien à l'objectif, si vous avez des suggestions pour le futur. OK, c'est merci. Super! Merci et de la clarification. Je m'efface donc pour le reste... Merci de la clarification, Gaëlle, parce que c'est vrai, c'est pas moi qui ai écrit les questions, je vais juste vous le dire. OK, on est parti. Alors, le premier jeu, ce sera une question à la fois. Et vous allez voir, vous avez 15 secondes chaque pour répondre à ces questions-là et ça vous vaudra un point par bonne réponse. Alors, les premières questions vont aller à ma gauche. Les premières questions vont à l'équipe des 4 mousquetaires. Alors, Léo Desormier, Léo, il est où? Est-ce qu'il peut lever la main, Léo? Qui est Léo? Oui, bonjour. C'est Léo! Salut Léo. Tu auras l'honneur de briser la glace. Et Léo, dis donc, pourquoi la médecine? Moi, j'ai comme une petite 30 secondes pour expliquer, là, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené vers la médecine? Premièrement, j'aime vraiment beaucoup la science, mais ce que je trouve que de plus en médecine, c'est un beau contact humain avec les patients. Là, c'est vraiment ça qui m'allume. Je suis bien d'accord. C'est vraiment, c'est formidable. Il y a même des gens qui applaudissent. Bravo, Léo. Vraiment, bonne réponse. Alors, ça te vaut un point. C'est pas vrai. On va commencer avec la question. Alors, la question est la suivante. Un adulte consulte pour plusieurs symptômes. Tu le questionnes sur ses antécédents familiaux. Il semble pas y avoir de responsable. Il y a rien de semblable dans la famille, mais la maladie peut néanmoins être génétique et héréditaire. Nommez une des explications possibles.
Fait que je réponds là-dessus. Exactement. T'as encore 7 secondes, okay. 6 secondes. Ben, ça peut être une mutation de nouveau. La mutation de nouveau est une bonne réponse, mon cher. Et donc, la transmutation, la mutation de nouveau, il y aurait eu aussi l'héréditaire récessive ou bien la pénétrance réduite qui aurait pu être de bonnes réponses. Alors, ça te vaut un point. Les mousquetaires, vous faites déjà un point. Félicitations. La deuxième question va aller à Raphaël Landry. Raphaël, c'est le moment. Tu peux ouvrir ton micro. Parce que je veux savoir, Raphaël. Allô? Comment ça se passe, les études, en ce moment? Ben, ça va bien. L'examen, on a commencé ça depuis novembre, puis c'est quand même pas mal plus stimulant qu'être sur les bancs d'école. Là, puis c'est bien le fun. C'est vrai, parce qu'avant, ça se faisait encore une fois par Zoom, toujours. C'est ça. Hein? Oh, oui, exactement. Là, vous êtes bon. Une chance, oui, les bancs d'école, ça nous manquait. Alors, écoute bien, Raphaël, j'ai la question pour toi. Nommez trois populations, ethnicités, qui sont plus à risque pour des hémoglobinopathies. Donc, l'alpha-thalassémie, la bêta-thalassémie ou l'anémie falciforme. Trois populations. Il y a en Afrique, en Méditerranée, puis en Asie du Sud-Est. Afrique, Asie du Sud-Est, Méditerranée. Ouais, je pense qu'on pourrait l'accepter, mais je vais aller voir Gail. Est-ce que tu aurais une autre réponse aussi? Oui, Méditerranée, il n'est pas écrit spécifiquement, mais il est inclus là-dedans. Ouais. Ah, c'est super. Alors, c'est la bon. Réponse aurait pu être Pacifique occidental ou Moyen-Orient, mais on inclut quand même la Méditerranée. Alors, vous faites encore un point. Bravo. Deux bonnes réponses sur deux. Prochaine question. Jean-Philippe Denicourt, devant sa belle bibliothèque. Alors, Jean-Philippe, de 1, te sens-tu rempli là, en ce moment de connaissances? Ouais, quand même, mais je me sens pas mal plein en ce moment. En plus, avec les études, on a rajouté quand même beaucoup là, avec l'étude des questions pour aujourd'hui. Ça fait que tu ne sens pas trop, tu sens pas que le classeur est trop plein? Non, le classeur, il n'est pas plein. C'est parfait. C'est génial. Alors, ta question est la suivante. Écoute bien ça, Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'un VUS en génétique et non pas, bien sûr, un véhicule utilitaire sport? Alors, qu'est-ce qu'un VUS en génétique? C'est un variant de signification indéterminée. Gail, est-ce qu'on considère que indéterminé est une bonne appellation? Oui, c'est dans le domaine, on dit toujours incertain, incertaine, mais c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. C'est un synonyme. Alors, incertain, indéterminé, on peut dire ça. Alors, variant à signification incertaine ou indéterminée, c'est une bonne réponse. 3 points sur 3. Puis j'ai même une petite note ici à vous transmettre. Le variant à signification incertaine, c'est un variant dont la signification clinique est inconnue ou contradictoire. Des preuves supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si le variant est oui ou non responsable d'une maladie particulière. Alors, il y aura quelques notes comme ça qui vont parsemer les quiz. Je pense que c'est bon à la fois pour vous, mais aussi pour les gens qui vont nous écouter par la suite. Alors, les notes sont encore en ce moment de 3 pour 3 bonnes réponses, 3 points. La dernière question va à Yann. Yann, es-tu prêt, mon Yann? Absolument. Es-tu content de ton équipe? 3 sur 3 quand même. Vous avez fait vos devoirs, là. Ils sont solides. Écoute, la pression est sur toi quand même. T'es le chef d'équipe, t'es le dernier. On va voir comment ça va se passer. On y a peut-être été avec une question plus salée. Je ne sais pas. C'est pas moi qui ai fait le pacing. Fait qu'on va aller voir. Est-ce que tu peux me nommer 2 facteurs de risque pour un possible syndrome héréditaire du cancer du sein et ou de ou des ovaires? Oui, avoir un membre dans la famille, en fait, qui a eu un cancer chez l'homme, un cancer du sein chez l'homme, en fait, le sexe opposé. Puis sinon, avoir une personne là, dans la famille directement, là, la famille proche, qui a eu un cancer avant l'âge de 50 ans. Un cancer ovaire, sein ou encore prostate. Je vais aller voir Gail parce que là, en ce moment, j'ai 5 choix de réponse. Et donc, Gail, à ce moment-là, c'est je te beau. Fais entrer. Ça fonctionne? C'est très bien, oui. Yes! Hey, une ronde parfaite. 4 sur 4 pour les 4 mousquetaires. Félicitations. Vous avez été formidable. Vraiment, ça a fait leur devoir. Je suis vraiment content. On va passer du côté
des sarcoïdoses. Je le dis bien, hein, sarcoïdose? Ça marche? OK. Sarcoïdose du Rémul, Université Laval. C'est Zoé Estée-Amiot. Amiot. Hey, regarde ça, c'est drôle, ça. Je ne sais pas si c'est le T est muet. Le T est muet, où on le dit. Les deux. Moi, ça me dérange. Les deux? Pas. Moi, je dis Amiot. Ouais. OK. Alors, Zoé Estée-Amiot qui va briser la glace. Écoute, est-ce que tu sens la pression de l'autre côté? Est-ce que tu sens que tu es prête à affronter les quatre mousquetaires, les bonnes réponses sur le bout des doigts? Ben, je suis prête à avoir une représentation féminine avec Laurence. On est prête. Oui. Oui, c'est ça, parce que vous êtes seulement deux. Merci, les filles, d'être là. Je suis vraiment content. Est-ce que c'est représentatif du milieu médical? Pas du tout. On est plus des femmes. Mais là, les gars, ils disent, hey, on pourrait gagner 2000$. Je pense que c'est pour ça. C'est pas vrai, les gars, c'est pas vrai. Alors, écoute, Zoé, ta question s'en vient. Est-ce que tu peux me nommer trois signaux d'alerte qui devraient vous faire penser à la présence d'un syndrome de cancer héréditaire chez une personne ou dans une famille? Nommez trois signaux d'alerte. Excusez mon chouette. OK. J'ai comme l'impression que c'est la même question que tantôt. Là. Je dirais qu'il y a plusieurs membres de la famille qui ont un cancer dans la famille, qui a eu des cancers bilatéraux, comme les deux seins, mettons. Oui, continue. Ouais, je veux t'entendre encore. Mm-hmm. C'est juste que ton temps à louer est terminé, mais je suis curieux de savoir si effectivement je le lis, puis j'aurais dû l'avoir. Écoute, regarde, on a plusieurs choix. Il y a encore plusieurs choix de réponse. Ben, sinon, c'est la même chose que tantôt. C'est pas chez le sexe habituel. Ah, est-ce que ça aurait pu être une bonne réponse, ça, Gaëlle? Oui. Effectivement aussi. Tumeur rare ou une pathologie rare, un cancer chez le sexe habituellement moins affecté. Cancer du sein chez un homme, effectivement, c'est une bonne réponse. Cancer commun, mais avec une pathologie différente ou autre signe, symptôme de tumeur. Alors, il y avait quand même... Bon, les voici, les possibilités de réponse. Malheureusement, le temps alloué a été... a passé jusqu'à zéro. Et donc, je ne peux te donner de points, Zoé, mais je sens que c'est ça, c'était sur le bout de la langue. Le bout de la langue. C'est correct. Je vais aller fermer la porte pour pas que mes chums dérangent pour cette fois. C'est bon. D'accord. On passe à la prochaine question avec Laurence Bois. Alors, Laurence, t'es l'autre fille de l'équipe des sarcoïdoses. La représentation féminine, comment tu te sens par rapport à ça? Ben, je suis bien contente de représenter les femmes. Ça aurait été le fun d'en avoir plus, mais c'est pas grave. On essaie de les convaincre pour les éditions prochaines. Vous pourrez faire du peer pressure. Let's go, les filles, vous êtes capables. Ouais, c'est ça. Alors, Laurence, ta question est la suivante. Nommez deux maladies métaboliques qui sont dépistées dans le sang chez les nouveau-nés au Québec. Il y a la phénylcétonurie et la tyrosinémie de type 1. C'est effectivement une bonne réponse. C'était même les deux premiers choix dans la liste des bonnes réponses. Alors, Gaëlle, je me permets, j'ai vu que c'était très facile. Bien, on avait quand même plusieurs choix. Le déficit en protéines, ça, c'est le fun parce que ça, c'est des beaux... Il faut travailler la lecture à vue. Là. Déficit c'est en sûr, protéines trifonctionnelles. J'ai mis les deux premières faciles parce que les autres, disons que... Hey, déficit en acyl-CoA, déshydrogénase, des acides gras en chaîne moyenne. Je veux dire, c'est incroyable. S'il fallait retenir tout ça pour un examen, oh. Ah là là. Ben, alors, Il le faut des fois. OK. Ben, mon Dieu, vous êtes vraiment des sur-femmes et des sur-hommes. Laurence, le point est bon. Tu marques un point pour ton équipe. Félicitations. Prochaine question. Ça va être à Guillaume Lockman Dufour. Guillaume, salut. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, bien oui. Est-ce que tu es confiant, Guillaume? Est-ce que tu as bien fait tes études? J'ai quasiment plus étudié pour ça que pour mon examen, fait que quand même. C'est bon! J'adore ça, parce que quand même, c'est ça, les maladies rares, j'imagine que, tu sais, est-ce qu'on en parle à l'université beaucoup des maladies rares ou presque peu? Ouais.
On a une coupe qu'on voit, mais c'est un peu accident. C'est pas le core de la matière, mettons. OK, je comprends, je comprends. Alors, effectivement, je pense que ce qu'on a pu vous envoyer comme petite question à apprendre, ça peut quand même aider aussi dans la pratique. Alors, je vais y aller avec ta question. Écoute, on y va, Guillaume, je plonge. Quelle est l'une des causes chromosomiques les plus fréquemment identifiées chez les personnes autistes? C'est une duplication au chromosome 15, justement, à l'endroit 15Q11.2, 13Q13.1. J'aime ça, c'est tellement pointu. C'est une bonne réponse. J'ai une petite note aussi qui accompagne ça et on peut aussi appeler le syndrome DUP15Q. Alors voilà, DUP15Q pour, j'imagine, duplication. Fait que vous marquez encore un point, vous êtes à 2 points sur 3 réponses. C'est très, très, très bien. Est-ce que Jonathan Charon, t'es prêt, toi, pour ta question? 100%. 100%, puis t'es fier de ton équipe en ce moment? Ouais, je suis pas mal fier d'eux. Du gros travail. Zoé, ne t'en fais pas, il y en a plein d'autres questions. Il y a plein d'autres manches. Question pour toi, Jonathan. Peux-tu me nommer une des manifestations de la neurofibromatose de type 2, qui est une forme beaucoup plus rare de la neurofibromatose? Oui, mais il y a le schwannome vestibulaire. Schwannome vestibulaire, exactement. C'est parce que j'avais l'autre qui me dit, OK, tumeur du nerf auditif, entre parenthèses, schwannome vestibulaire, c'est une bonne réponse. Schwannome, quel beau mot, encore une fois. Je fais des découvertes aujourd'hui, c'est incroyable. Schwannome. Gail, qu'est-ce qu'un schwannome? C'est une tumeur du nerf auditif. T'es très bonne. Merci, Gail. C'est formidable. Alors... une tumeur. C'est génial. Puis il y avait aussi 2 autres réponses qui auraient pu être la méningiome ou l'ependymome. Alors, premièrement, je termine. On a 4 points du côté des 4 mousquetaires, 3 points du côté des sarcoïdoses. On continue ça. J'aimerais qu'on fasse la vague, tout le monde, à l'instant. OK, 5, 4, 3, 2. On fait la vague et on passe à notre prochain jeu qui sera un contre l'autre. Vous avez 15 secondes pour répondre à ma question et si vous avez la bonne réponse, vous allez faire 1 point. Cependant, si vous n'avez pas la bonne réponse, un membre de l'équipe adverse pourra essayer de répondre et faire 2 points. Lorsque la bonne réponse, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas la bonne réponse et que j'envoie la balle à l'autre équipe, l'autre équipe doit me donner la réponse presque instantanément. Je vais juste vous le dire. Sinon, si ça prend 10 secondes, 7 secondes, ce sera trop. Je ne pourrai pas vous offrir les 2 points. Alors, la première question va aller à Raphaël. Raphaël, tu as 15 secondes pour répondre. Et si tu n'as pas la bonne réponse, c'est Zoé qui va pouvoir répondre immédiatement à ma réponse pour un 2 points quand même. La question est la suivante. Combien y a-t-il de conditions génétiques monogéniques associées à un seul gène? Donc, combien y a-t-il de conditions génétiques monogéniques? Il y en a 6007. 6007, c'est une bonne réponse. 6007 désordres et traits monogéniques. Alors, tu viens de marquer un point pour ton équipe? C'est vraiment drôle, c'est vraiment un miroir. Ça ici, c'est pourtant à ma gauche et ça ici, c'est pourtant à ma droite, mais non. Je vous pointe comme ça. Alors, clac, Raphaël fait 1 point. Bravo! Maintenant, ce sera au tour de Jean-Philippe avec une possibilité de réponse par Laurence. Jean-Philippe, ta question est la suivante. Après sa naissance, un bébé a une réaction physique exagérée à un stimulus externe, donc un bruit ou au toucher, et il a des épisodes de raideur du tronc et des membres suivi de tremblements lorsqu'il commence à marcher et plus tard, lorsqu'il sera adulte. Cette réaction peut causer des chutes. On veut le nom de la maladie. C'est la maladie du sursaut. La maladie du sursaut est une bonne réponse. Cette maladie peut être aussi appelée l'hyperexplexie ou l'hyperkexplexie héréditaire. Quand même. Alors, la maladie du sursaut, c'est une bonne réponse. 2 points pour les 4 mousquetaires. Ici, c'est au tour de Léo. Léo, tu es prêt? Léo, sinon, possibilité de réponse par Guillaume. Alors, Léo, ta question est la suivante. Quel pays est le seul pays du G20 à ne pas avoir un plan, une stratégie ou une politique en matière de maladies rares? C'est le Canada. C'est le Canada, effectivement, et on n'est toujours pas en voie d'avoir un plan ici. On parle ici en janvier 2022, si vous écoutez la vidéo plus tard. Là, on est en janvier 2022 et le Canada n'a toujours pas de plan.
Alors oui, on fait mauvaise figure quand même, je pense, comparé des autres pays du G20. Un autre point pour votre équipe, bravo. Et on a gardé les deux chefs d'équipe pour la fin. Alors, Yann contre Jonathan. La question pour toi, Yann, et celle-ci. Combien y a-t-il de médicaments consistant en un traitement spécifique pour une maladie rare parmi plus de 7000 maladies rares? 900 médicaments orphelins. Oui, effectivement, c'est 900. Ces médicaments sont dits orphelins. Les autres aussi portent le synonyme orphelin. Et c'est une bonne réponse. Vous faites 4 points, chers amis. C'est vraiment formidable. Alors, on a en ce moment un 8 points accumulés depuis le début de cette partie. Et on va inverser les rôles maintenant. C'est les sarcoïdoses qui vont jouer contre les quatre mousquetaires. Je vais envoyer une question à Zoé. Si tu n'as pas la bonne réponse, c'est Raphaël qui va pouvoir répondre à la question. Alors Zoé, ta question est la suivante. Quelle est la première maladie humaine génétique à avoir bénéficié d'un programme de santé publique en étant la première à être dépistée chez les nouveaux-nés? C'est la phénylcétonurie. C'est effectivement la phénylcétonurie. Oui, c'est la phénylcétonurie, c'est une erreur innée rare du métabolisme caractérisée par un taux élevé de l'acide aminé phénylalanine dans le sang. Bravo! Zoé inscrit un point pour son équipe. Je vois la joie dans ses yeux. Bravo! C'est au tour de Laurence contre Jean-Philippe. Donc, si Laurence n'a pas la bonne réponse, Jean-Philippe va pouvoir répondre. Laurence. De quelle maladie souffrait probablement le président Abraham Lincoln et le général de Gaulle? C'est le syndrome de Marfan. C'est effectivement le syndrome de Marfan. Bravo! Un autre point du côté des sarcoïdoses. Mon Dieu, c'est donc bien bon! Alors, j'ai une petite note. Cette maladie du tissu conjonctif qui se caractérise par une combinaison variable de manifestations cardiovasculaires, dont un risque élevé de dissection aortique, musculo-squelettique, ophtalmologique et pulmonaire. La personne atteinte peut être de grande taille et avoir des jambes, des bras et des doigts plus longs que la normale. Alors, syndrome de Marfan était la bonne réponse. Bravo! Léo va jouer contre Guillaume maintenant. Léo, ta question est la suivante. Une encéphalite, une inflammation aiguë du cerveau, peut avoir plusieurs causes possibles. Quelle serait une encéphalite rare causée par des anticorps qui s'attaquent à un récepteur du cerveau? Je pense que c'est une question très loin. Est-ce que ça a été fait par Léo, c'est ça? Ça serait comme Guillaume contre Léo. Ouais, désolé, c'était une petite erreur. On va reprendre le compteur si c'est possible, les gars. Les gars de la technique. C'est l'encéphalite anti-récepteur même là. C'est effectivement la bonne réponse. Alors, c'est une encéphalite à anticorps anti-récepteur NMDA. Yes, sir! L'encéphalite à anticorps anti-récepteur NMDA, donc N-méthyl-D-aspartate, est une maladie causée par des anticorps produits par notre système immunitaire et s'attaque au récepteur NMDA sur les synapses. Ça peut être associé à la présence d'une tumeur. Alors, très bonne réponse, Guillaume. Alors, c'est 3 points de votre côté et on termine avec le chef d'équipe de votre bord qui est Jonathan. Jonathan, ta question est la suivante. En 2021, pour la première fois, une thérapie génique a été mise sur la liste des médicaments payés par le gouvernement du Québec. C'était pour quelle maladie? C'était pour l'amyotrophie spinale. C'était effectivement pour l'amyotrophie spinale. Oui, la thérapie génique l'onasemnogène abeparvovec. Tu l'as dit correct, Gail? C'est vraiment tu peux le prononcer comme tu veux, ça, c'est pas vrai. C'est vraiment des mots que je lis quand même presque pour la première fois. Alors, la maladie génique traite les bébés atteints de cette maladie neurodégénérative rare qui entraîne une faiblesse musculaire progressive jusqu'à une paralysie. Alors, il y a une première thérapie génique qui a été mise en place en 2021. Et c'est payé par le gouvernement. C'est quand même pas génial, ça. C'est plus facile de dire le nom commercial qui est le Zolgensma. C'est vraiment plus facile. Le Zolgensma, il faudrait changer. Mais c'est correct, il y a le nom scientifique, puis il y a le nom pour le commun des mortels. Alors, le pointage, désormais, pour les quatre mousquetaires, ici, vous avez
8 points d'accumulés. Et pour les sarcoïdoses, 7 points d'accumulés. On peut s'applaudir. Bravo. Yes. Alors, Gaël, jusqu'à présent, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais me... Parce que quand même, c'est 8 bonnes réponses et 7 bonnes réponses de l'autre côté. Comment tu trouves la partie jusqu'à présent? C'est A+. Hein? A+, tu peux le dire. Hein? Très bien, oui. Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu t'attendais à ce que les équipes soient aussi bien préparées? Bien, c'est moi, je regardais la progression de l'étude sur le logiciel qu'on a utilisé, puis ça n'avançait pas vite selon moi. Mais j'imagine comme quand moi, j'étais étudiante, on étudiait à dernière minute. Ben, je pense que c'est comme ça aussi que ça burine notre cerveau rapidement. Tu sais, quand t'es comme OK, vite, c'est là, l'examen s'en vient. L'autre possibilité, là, c'est qu'ils savaient déjà tout ça. Fait que ce quiz-là, il est inutile. Fait que je sais pas. C'est pour ça qu'on va faire un sondage après. Effectivement. Alors, on va vous passer un sondage par la suite. Chers amis, on est rendu à la troisième au troisième jeu. C'est une réponse en équipe. Alors, on va commencer avec les quatre mousquetaires. Je vais poser une question à votre équipe et vous avez 15 secondes pour vous consulter avant que le chef d'équipe me donne la réponse. Alors, vous pouvez tous ouvrir vos micros dès lors. Parce que la première question, elle va aller aux sarcoïdoses. On va faire l'inverse. C'est les sarcoïdoses qui vont commencer. La question est la suivante. Nommez deux séries de documents très utiles pour les médecins et autres professionnels de la santé sur le site web d'Orphanet. Vous avez 15 secondes pour vous consulter, puis ensuite pouvoir me donner vos deux choix de réponse. J'ai vu dans ta face, Laurence. Oui, conduite à tenir en urgence, puis conduite à tenir pour l'anesthésie. Conduite à tenir en urgence et conduite à tenir pour l'anesthésie. Ce sont deux bonnes réponses. Vous marquez donc 3 points, parce que je ne vous ai pas dit, mais ces réponses-là vous valent 3 points. Alors, 3 points viennent d'être marqués par les sarcoïdoses. Prochaine question aux quatre mousquetaires. Quelle maladie auto-immune est caractérisée, entre autres, par une sécheresse de la bouche et des yeux? 15 secondes pour vous. Bon, je peux y aller. Je peux y aller. C'est la maladie de Sjögren. Effectivement. C'est le syndrome de Sjögren. Oui. C'est caractérisé par un dysfonctionnement des glandes exocrines. Les glandes exocrines de la peau, les voies respiratoires, urogénitales et digestives sont ainsi affectées, ainsi que les articulations, les muscles et les nerfs. 3 points viennent d'être marqués par votre équipe aussi, les quatre mousquetaires. Prochaine question, sarcoïdose. Quel syndrome est causé par l'absence complète ou partielle d'un chromosome X? Quel syndrome? C'est le syndrome de Turner. Vous avez 15 secondes, désolé, je ne voulais pas... Ça va, vous avez la réponse m'a été donnée. C'est bien le syndrome de Turner. Bravo! 3 points, encore une fois. On passe de l'autre côté aux quatre mousquetaires. Pouvez-vous me nommer deux conditions médicales rares qui peuvent être confondues avec de la maltraitance d'enfants? On pourrait aller avec ostéogenesis imperfecta et hémophilie, les gars. Vous êtes d'accord avec ça? Yes, sir. All right. Est-ce que Gail, tu veux répondre? C'est deux des nombreuses réponses qui étaient là. Oui. C'est génial. 4 points encore une fois de votre côté. Yes, il y en avait encore. La maladie de Kawasaki, la maladie de Kawasaki, ça, j'aime ça. C'est une maladie c'est juste les gens qui achètent des motos Kawasaki. Ça a l'air. Mais ça a l'air. C'est pas vrai du tout. Prochaine question, sarcoïdose. Vous avez 15 secondes toujours pour répondre et vous consulter. Certaines personnes font un ou plusieurs chocs anaphylactiques, mais on ne trouve pas de facteur déclenchant connu. Pouvez-vous nommer deux causes rares possibles d'une anaphylaxie idiopathique? On a déficience en vitamine D et déficience en vitamine P. Oui. C'est pas notre réponse finale. C'est mastocytose puis. Mastocytose puis l'allergence là, ça, ouais. C'est notre réponse. Gaëlle, est-ce que la réponse finale te convient? Là, je vais juste vérifier que la réponse c'était mastocytose puis Ehlers-Danlos parce que on entend un par-dessus l'autre. Est-ce que c'était ça? En tout cas, si c'est ça, c'est bon.
C'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. On en a nommé plein. Yes, bravo. Un autre 3 points qui vient d'être marqué par les sarcoïdoses. Mousquetaires, les 4 mousquetaires, votre question. Suis à l'instant. Malheureusement, beaucoup de personnes atteintes de maladies rares ne sont pas crues durant leur tentative d'obtenir un diagnostic, particulièrement les femmes. Nommez 2 conditions que l'on invoque souvent comme diagnostic. Il y a même la petite photo pour nous orienter, mais exact. Le trouble de conversion puis le trouble factice, ça vous va, les gars? Ouais. Parfait, on y va avec ça. Gay? C'est beau, ouais. Ça fonctionne? C'est super, parce que... Puis plus ça. Souvent, on fait juste dire « Ah, c'est psychosomatique. » Ah ouais? Mais ça, c'est deux syndromes aussi qu'on évoque. Wow, fait que c'est juste « Ah, écoutez, c'est psychosomatique votre affaire, retournez chez vous, il n'y a rien qui cloche. » Quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Donc, d'où la nécessité de la présence des regroupements comme le RQMO pour faire pression et dire « Non, non, non! » Ces maladies rares-là peuvent exister. Prochaine question aux sarcoïdoses. Vous venez de faire 3 points, hein, les 4 mousquetaires. Donc, quels sont les 3 autres types de maladies rares, autres que génétiques? Nommez-en 3. Les autres types de maladies rares. Auto-immune ou inflammatoire. Cancer rare. Puis il y a des maladies infectieuses aussi. Est-ce que ça vous convient? Oui. OK. C'est ça notre réponse. Donc, maladie infectieuse, auto-immune, et vous m'avez dit? Cancer rare. Et cancer rare, ce sont de très bonnes réponses. Vous venez de faire encore une fois 4 points. Bravo! Prochaine question, 4 mousquetaires. Nommez 2 symptômes de la neurofibromatose de type 1. 2 symptômes de la neurofibromatose de type 1. On peut y aller avec ceux-là qui sont cutanés, les gars. Avec l'antigène puis la tache café au lait, non? Que ça va? Là, c'est bon. Gail, est-ce qu'on a la bonne réponse? Tache café au lait, l'antigène, c'est bon. L'antigène et tache de café au lait. Wow! Encore une fois, de très beaux... Ce sont de très beaux mots pour parler parfois de maladies. Tache café au lait et l'antigène, qui ne ressemble pas à antigel, bien sûr. C'est pas la même chose. Une tache bleutée, c'est pas ça. Alors, notre pointage est maintenant pour les 4 mousquetaires. Le problème en ce moment, c'est que moi, je suis sur mon ordinateur et non pas sur je suis sur Internet et non pas sur l'application. Et en ce moment, le pointage, il m'est caché par mon visage et celui de Gail et celui de. Ce que je veux dire par là, c'est que votre score, en ce moment, je ne le vois pas. Alors, je vais essayer de régler le problème pour la prochaine partie. Combien vous dites? 20 à 19 pour les 4 mousquetaires. Alors, 20 points pour les 4 mousquetaires, 19 pour les sarcoïdoses. Et on a encore 1 minute 50, 4e jeu. Écoutez bien ça, OK? Ça va être vite sur la gâchette. On va sortir nos téléphones. On sort nos téléphones. On s'en va sur l'application Buzzin Live. Et là, on va se préparer. La première question. Tout le monde peut jouer. Bonne réponse, ça vous donne 2 points. Une mauvaise réponse, ça vous en enlève 2. Alors, il faut vraiment être sûr avant de buzzer. Ça vous en enlève 2. OK? Je pense qu'il faut déverrouiller Est-ce que les gars de notre équipe... Ah, et voilà, bon, les buzzers sont déverrouillés. Est-ce que la trisomie 21 est aujourd'hui à nu... Est-ce que ça fonctionne tout le monde? Oui, parfait. Est-ce que la trisomie 21 est aujourd'hui à une non-disjonction myotique chez la mère? C'est qui a buzzé, là? Oh my. C'est Raphaël Landry. Non, ça peut aussi arriver dans certains cas chez le père. Exactement, à 10 %. Alors, tu viens de marquer 2 points pour ton équipe. Prochaine question. Quel syndrome avec épilepsie est dû à une migration neuronale anormale? Léo Desormier était le premier à avoir pesé. Hétérotopie nodulaire périventriculaire. Effectivement, c'est la bonne réponse. Et je pense qu'on va avoir le temps pour une autre question. Alors, soyez prêts tout le monde. Depuis quand la France a-t-elle un plan national de maladies rares, premier parmi les pays de l'Union européenne? Guillaume.
2005. Depuis 2005, c'est une bonne réponse. OK, il nous reste encore, regardez, il ne reste pas beaucoup de temps, là, mais on va en faire une autre juste pour voir si genre on est presque à égalité. Quelle est la cause la plus fréquente de la déficience intellectuelle héréditaire chez les enfants? Nos boutons sont bloqués. Hein. Ah, il était bloqué? Parce que là, j'ai Guillaume qui a pesé en premier. Syndrome de l'X fragile. Syndrome de l'X, exactement, de l'X fragile. C'est une très, très bonne réponse. Et donc, l'affaire avec tout ça, c'est que vous avez donné deux bonnes réponses de chaque côté. Je vais en donner une autre, parce que ça peut, ça pourrait briser, si on veut, cette semi-égalité. OK? Alors, j'aimerais que les buzzers soient déverrouillés. Ils le sont. Et la dernière question de cette partie est la suivante. Êtes-vous excité? C'est excitant. Oh, c'est excitant. OK. Nommez une maladie du groupe des mucopolysaccharioses qui semble... C'est Raphaël Landry qui a buzzé en premier. La maladie de Morquio. La maladie de Morquio, c'est une très bonne réponse. Et c'est ce qui conclut cette première, ce premier quart de finale. Et les quatre mousquetaires l'emportent, chers amis, avec cette dernière réponse. Vous aviez déjà un point d'avance sur les sarcoïdoses, mais là, vous venez de confirmer votre victoire. Alors, un moment d'applaudissement pour nos participants. On a ici, bien sûr, les quatre mousquetaires avec, à leur tête, Yann Lamontagne. Et on avait Jean-Philippe Denicot, Raphaël Landry et Léo Desormiers qui jouaient pour nous. Et de l'autre côté, pour les sarcoïdoses, merci infiniment d'avoir joué avec nous. Les sarcoïdoses avaient été encore une... Je veux dire, on s'entend là. C'est une seule mauvaise réponse. Écoutez, c'est jamais vu. C'est exceptionnel. Et donc, Jonathan Charon, tu joues avec nous. Guillaume Lottman-Dufour, Laurence Bois et Zoé Estelle Amio. Merci, gang, d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Merci à Gaëlle encore. Merci d'être toujours là. Puis nous, ben, on va se reprendre avec une prochaine partie dans genre 5 minutes. Alors, reste avec nous, Gaëlle, mais on va revoir les quatre mousquetaires et pour les sarcoïdoses. Merci infiniment. J'espère que ça aura pu être utile de pouvoir au moins étudier aussi sur les maladies rares. Donc, chapeau. Merci. Bonne continuité dans vos études. La demi-finale, c'est bien à 13h.